Alors Nico, cette année en 2018, tu lances la casquette de Sherlock Holmes. Voilà, ça, vous avez connu Nicus avec le chapeau, vous avez connu Nicus avec Christophe Lambert, avec le chapeau, mais Nicus mène l'enquête. On sort en ce moment juste fait leur version remasterisée par notre ami Chab. Faut savoir que une des éditions qui est sortie dans le commerce était celle-ci. Où au lieu d'avoir la pochette normale, il y avait les Nico. Ouais, on les prend par 12 dans le on achète un carton. Trop bien. Ça après, tu redescends, tu peux mettre deux cartons de bouteilles vides, un sur chaque cuisse, tu descends l'escalier, ça fait pas de ling-ling. Nico, à chaque fois, je redécouvre des phrases qu'on écrit les paroles. Il y en a une que j'avais jamais compris, c'est Call Me Nigo. En fait, c'était Call Me Nigo, quoi. Ouais. Donc, Call Me Nigo, Whitey, c'est une famille d'histoire. Tu viens du Q8, non? Ouais, un peu. Ça va, garçon? Plaisir d'écouter ta musique et de mes jeunes années. Eh ben, écoute, merci. Toujours, d'ailleurs, toujours. Mais écoute, là, on recommence. Je suis venu récupérer mon spot. 10 ans, ma gueule, pour arrêter ce truc-là. On va essayer de recommencer un petit peu. Hein. Fin que c'est dans le building, l'histoire est dans le making. On te shoot, on te coupe, on te dépaisse, on te laisse sécher, on t'arrache les croûtes. C'est juste le retour du meilleur groupe. Et ça recommence, la violence, même si ça te déplaît. On te met de la pommade partout, sauf sur les plaies. AK-47, dans le trou de ta quéquette. On vide quelques chargeurs dans ton urètre. C'est le retour du zing, bande d'enfoirés. Ça travaille gentiment. Calmement. Ouais. Il y a du boulot quand même.